chers parlementaires, mon cher vice-président numéro 1, je t'écoute quant à la situation des populations déplacées au Gondwana. À toi. Petit moi. Non, Ken là, non, j'ai géré ça propre. Quoi? Non, j'ai géré ça propre. Non, ça, et là, j'ai barré ça propre. J'ai dit, j'ai barré ça, j'ai gourbré ça. Ça dit, j'ai valcoté jusqu'à côté droit, multiplié par deux. J'ai dit, j'ai barré, j'ai yougouillé ça. J'ai dit, j'ai. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Freddy! Non, j'ai dit, j'ai baoulé ça, quoi, bien déposé. C'est moi qui fais ça. T'as dit, dans le groupe Brali, et le Zokoli, quoi. J'ai dit, j'ai zoko ça. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Mais c'est quelle manière de parler, ça? Oui. C'est quelle façon? Un parlementaire ne s'exprime pas comme ça sur des sujets aussi graves que les déplacés du Gondwana. C'est quoi cette manière de parler, cette manière familière-là? Moi, franchement, parler quand même de la population déplacée du Gondwana, c'est déplacé, quoi. Merci. Est-ce vous là, vous deux là, on vous a comment? Est-ce que quelqu'un vous a comment? Regarde-moi ça. On vous a comment? C'est vous qui m'avez donné le comment là? Le comment là, c'est vous qui avez demandé à votre grand-mère Zokoli? Hein? Regarde-moi ça. Regarde. Comment le comment là, vos bœufs là, faut fermer ça. Faut mettre clé dessus quoi. Go, qu'est-ce que tu prends? Moi je dis. Bara là, c'était du bélé-bélé. Qu'est-ce quoi. Qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Un vice-président numéro 1 ne s'exprime pas comme ça. C'est tout. Quand tu vas aller à l'étranger pour nous représenter là, c'est comme ça que tu vas parler? Moi, je parle comme je veux, madame. Voilà. Attends, tu te prends pour l'Académie française, toi? Gou, ça veut dire quoi ça? Mais Charlot, t'as raison. Attends, un représentant national comme toi, de surcroît vice-président numéro 1, tu ne peux pas parler comme ça, Gou. C'est vous qui vous fatiguez, hein, ce bonhomme-là. Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, toi, tu vas te lever comme ça, tu vas aller aux États-Unis, devant les Nations Unies, et puis tu vas parler Nouchi. Pour le laisser. Hein? On t'a dit que Joe Biden n'est pas Nouchi. Pour le laisser. Quand le président fondateur va avoir la honte de sa vie sur le plan international à cause de lui-là, il viendra pleurer ici. Nous, on ne te connaît pas, hein? On ne te connaît pas. Si ça arrive, on ne te connaît pas. Vos racontats de bas étage, là, ça me glisse sur la peau. D'accord. Président fondateur. Viens, vieux mon gars, là même, il sait, il me sort. Ça dit, il me connaît, vieux mon gars. Hey, vieux mon gars. Voilà son paquero. Président fondateur, voilà ton pépéro. Non, je te couvre de quelque chose. Non, il faut tiancer quoi, hein. Il faut tiancer dans ton couvre là. Voilà, nous on est quand même ici. On y a mis le quoi, puis on zogoli, on fait le zogoli. Abata quoi, hein. Abata quoi, abata quoi, hein. Go. Si y a un waworo, tu couvres ici là. Il y a un mec dans son toro. Soldat, Kadabou, pourquoi tu nous interromps comme ça, soldat? Ah, président. Oui. Il est l'heure. Ah oui, ok, oui, j'arrive. Ouais. président. Les populations déplacées, c'est très important. Hein. Donc, je vous laisse vous en occuper. Hein. Ouais. Vice-président numéro 1, tu te ressaisis. Hein. Hein. Faut couma ça. Yeah, non, il couma propre. Il a fait ça propre. Moi, je ne comprends pas. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, je ne comprends pas. Le président lance un sujet important, et puis il sort. Alors, mais c'est ça, je vous comprends tout de suite, mais ça ne rentre pas dans vos compranos. Toi, il faut arrêter tes trucs là, on n'est pas à la gare ici. Non, tu veux te mesurer quoi? Viens, non, mais je vais te calmer. Voilà quoi, ton miroir est cassé ça. Ah, bâtard là. Moi, je te dis, si c'est sur moi que tu es arrivé là, il y a ouvert le magasin, la marchandise va descendre.